Dans le sens à nous pour apprendre qui gens nous capables de créer des fonctions qui gagnent des arguments. Alors, rapidement, nous ouvrons Eclipse. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà habitués avec fonctions qui gagnent arguments. Nous songeons de nous aborder eh bien, les méthodes de la classe math. Nous pouvons ouais, on méthode, par exemple, qui était les pour. Donc, pour, eh bien, entre parenthèses, il prend deux paramètres. Alors, argument ou bien paramètre. Donc, par exemple, nous avons exemple 4, OK, 2, nous avons ça. Donc, retourner dans la vidéo pour nous capables, eh bien, réviser une notion ça. Donc, c'était des arguments que nous ou soit des paramètres. Nous capables de dire arguments ou bien paramètres. Eh bien, nous parlons qui j'en nous-mêmes, nous capables de créer propre fonction par nous qui prend paramètres tout. OK? Nous parlons, eh bien, c'est même bagarre là, un programmeur Java, yo suivre pour être capable pour te créer fonction pour là. Donc nous parlons qui gens nous capable créer propre fonction pas nous. Et nous te voyons quel que soit nombre nous te passer entre paramètres, il suffit que nous te respecter et syntaxe là. Donc premier nombre là nous séparer par un virgule, de deuxième nombre là fonction là fait même bagarre là, il fait calcul là-bas haut. Donc nous parlons qui gens nous capable faire ça nous-mêmes. On va créer une fonction par exemple qui va retourner, qui va additionner deux nombres. Donc ça veut dire que fonction 1, hein, lorsque l'utilisateur l'a appelé, il balle deux nombres comme paramètre, il balle deux nombres, il dit pour fonction additionner deux nombres ça veut pour lui. Donc quel que soit deux nombres il a pas additionné. OK? Et pour cela que ça va faire nous suivre schéma. Premièrement, on va mettre portée fonction qui c'est public. Deuxièmement, étant donné nous pral appeler fonction en dans fonction main, et ben nous obligé mettre comme étant statique, parce que nous devons fonctionner maintenant, les statiques tout. OK? Ensuite, nous parlons du type de retour méthode là. Je dis que fonction 1, il doit additionner, quel que soit deux nombres ou bali, entre, comme argument, deux nombres entiers, eh bien, entre arguments pour l'additionner. Eh bien, type de retour fonctionnement, c'est int. OK? Comme ça, si nous avons besoin, et pour fonction 1, il travaille avec des nombres décimaux, et même mettre soit float ou bien mettre double. OK? Ou bien mettre double. Donc, c'est à vous de voir qui sont voulés, avec qui ça vous voulez fonction de travail. Mais nous travaillons avec le type int. Ensuite, nous avons non fonctionnement. Par exemple, nous avons additionné, et OK, étant donné c'est addition que fonction va le faire. Quand il y a cela, entre parenthèses, nous pourrons mettre paramètres que fonction pour le travail avec lui. Faut que moi dis que paramètres c'est les variables que oui. Donc il y a un type même genre avec variable là, il y a un type, il y a un nom, mais nous pas loin qui ça nous pas nous devons éviter faire dans paramètres. Nous pas commencer avec. Donc nous par exemple, ou capable pas paramètres non vous voulez, non vous voulez. Par exemple, on garder les premiers A, OK? Et puis deuxième nom, on relel B. Donc, ça veut dire que nous avons deux paramètres. Mais nous remarquons, nous ne pouvons pas mettre point virgule après nous finir mettre. Donc, nous avons dit que c'est des variables, mais on ne peut pas mettre point virgule. D'accord? Donc, c'est en dans fonction, on met sans point virgule. Donc là, on crée une variable sans initialiser. Nous avons vu ça dans le commencement, nous avons abordé la notion de variable. On crée une variable sans pas initialiser. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons utilisé. Et maintenant, nous avons dit que nous sommes capables d'utiliser une variable sans initialisation. OK, nous mettons un couple d'accolade pour nous compléter fonctionnement. Mais dans nous Eclipse les souliers, donc nous connaissons pour qui ça soulier, c'est parce que mes fonctionnement sont méthode de type int et même pas comité return. Donc Eclipse il est en colère parce que il dit que ben en fonction là sans des grands types de retour, il faut que vous mettez return quoi. Donc c'est ça. OK. Bon voilà, donc on a nous pas essayer comprendre et faire fonctionner qu'on est qui ça nous attend de lui. Donc nous mettez instruction nous mettez argument. Comment nous allons utiliser argument? Nous dit que mais l'utilisateur après l'appeler fonction ça et bien obligatoirement il doit bail deux nombres entre parenthèses. C'est comme si même avec fonction pour là que le programmeur était déjà créé pour nous, c'est comme ça il crée le tout. Donc il dit il mettez deux arguments. OK, comme ça. Et il dit que obligatoirement l'on appelle les fonctions ça par nom, eh bien on doit bal deux arguments qui séparés par un virgule. Eh bien nous va faire même bagarre là, mais fonction non même c'est additionner par additionner. Eh bien là on va dire fonctionnement return, OK,
instruction return nan très important parce que mon type de retour return qu'on a servi avec non argument qui ça me dit que si utilisateur la bail lorsque utilisateur la bail de nom ça yo qui placé comme argument OK de nom ça yo et mais additionner pour moi additionner première ça qui devant virgule là après ça additionner avec ça qui derrière virgule là et mais m'a c'est état de décès des variables m'a servi avec non variable là et mais m'a dit return A plus B. OK? Voilà, après tout est disparaître. Donc là, je ne connais pas qui nom utilisateur là pour rentrer. Mais je dis fonction, et mais quel que soit le nombre, quel que soit le nombre qu'il t'a mis là, soit faire ou juste stocker une variable là pour moi. OK? Par exemple, si l'utilisateur là, là, il tape 5, et mais là, stocker 5, fonction a stocker 5 là dans A. Une variable que m'te créé sans initialiser qui va recevoir première valeur utilisateur là pour le taper et la fait même bagarre là tout pour deuxième nombre là qui après vérifier là et me dit mais retourner pour moi et bien résultat et première valeur qui stocké dans la variable ça on vient à argument ça plus deuxième valeur et qu'on y a nous pas l'utiliser même tactique nous d'utiliser les notables et appeler fonction tout à l'heure pour nous récupérer valeur et une fonction qui a argument. Donc qu'on y a là, on peut appeler fonction ça qu'on y a dans méthode mémoire. Donc nous on apprend nous pas l'appeler fonction, on apprend avec toute et en parenthèse là, donc ouais, pour nous appeler. Donc là, on nous pas mettre même et argument, donc c'est ça c'était argument variable fonction besoin pour travailler avec. Donc par exemple m'ta mettez 4 et puis là dans deuxième comme deuxième argument mettez 3 et puis mettez un point virgule. Donc là nouvelle pas gagne erreur. Donc là fonction qui ça va faire eh bien li programme là li va premièrement va chercher non côté qui il va pas courir classe A pour regarder qui côté qui gagne fonction ça. Et mais l'arrivée là-dedans, l'IWE fonction, l'IGN, l'IDE, deux arguments. OK? A avec B. Et mais, comme vous avez l'argument, ça y est, qui ça va le faire? Même si vous avez fait une fonction, vous avez dit additionner pour moi A avec B, ça veut dire additionner premier argument avec deuxième argument. Et mais l'arrivée là, l'on va laisser afficher la console là, le programme va le faire même bagarre là. L'IWE prend premier paramètre BTA 4 l'a additionné avec deuxième nan, qui c'est 3 et bien l'a affiché résultat. Donc si nous essayons de stocker ça dans une variable comme son entier il va retourner mettez une variable par exemple résultat. OK, kounya là on capable afficher le kounya dans console là effectivement et eh bien il doit afficher somme de paramètres ça yo. Donc copier coller voilà. Donc là, l'em compilé, il doit afficher 7. OK, l'afficher 7 exactement. Donc programme nous il fonctionne. Donc en gros les gars, c'est comme ça et bien et fonction à qui gagne paramètre ou bien qui gagne argument yo marché, c'est très intéressant. Donc et nous capable utiliser ça yo dans programme nous. J'aime te dire nous ça peut-être nous gagne pas importance les kounya mais nous gagne pour nous ça. Donc moi encourager nous pour habitude essayer bien maîtriser notion ça parce que il y a permettre à ce que nous fait des programmes qui robustes, des programmes qui ergonomiques, programmes qui fonctionnent bien donc qui pas gagne trop de bugs là-dedans bien que tout logiciel gagne bug mais quand même et c'est des programmes eh bien qui capable et durer longtemps, nous pas passer trop de misère pour nous faire mise à jour là-dedans etc. Donc c'est ça. Donc et c'est comme ça nous fait pour tout ratio, OK? Et en dans fonction ça, en dans là nous gagnons par exemple pas mettre a plus b là par exemple nous gagnons par exemple calcul nous gagnons créer une variable là par exemple nous créons une variable de type int résultat par exemple ouais pour montrer que on pas limité on mettre result égal à a plus b. OK et puis là des return non? Et même on juste dit return retourner pour moi résultat ça. Donc c'est même bagarre là. Ouais, c'est même bagarre là. Donc l'on essaie compiler là ben l'a juste affiché même résultat. Donc ça veut dire ça ou pas pas l'utiliser dans l'on va pas appeler fonction. Donc ça c'est mécanisme fonction besoin pour le travail à l'interne. Donc c'est ça l'on retourner l'a pas affiché même bagarre là.
Donc c'est ça. Et si vous voulez tout multiplier, tout qu'on a dit, multiplier. Donc mettez astérisque. Donc l'affiche l'affiche dans la console là, au lieu de mettre 4 plus 3, il va faire 4 multiplié par 3. OK, donc c'est ça. Hein? Donc nous avons fonction à argument, donc c'est vraiment intéressant, donc capable d'utiliser pour nous faire des choses qui sont vraiment extraordinaires. Et en passant, m'a dit que ou qu'on mettez plusieurs paramètres vous voulez. OK, mettez plusieurs paramètres vous voulez, par exemple, on va mettre un paramètre là, C. Exactement, donc vous travaillez avec lui, donc et vous remarquez autant de paramètres ou faut ou bali dans la fonction, l'autre a créé fonction, l'autre a appelé fonction, et mais c'est autant de paramètres pour mettre, ok, c'est autant de paramètres pour mettre. Donc si fonction l'autre a créé, l'autre a mis trois paramètres, l'autre a appelé, l'autre a bali trois paramètres tout pour capable faire ça augmenter là. Donc c'est ça. Et le dernier bagage que je voulais dire, c'est que éviter dans argument, éviter tout initialiser. Par exemple, vous mettez ça là, OK? A, ou tout initialiser. Par exemple, vous avez un balai 7, exemple. Donc, nous, Eclipse, n'est pas content parce que les deux sont erreurs. Parce que, eh bien, argument, ou juste, ou pas de initialiser dans tout l'air que vous avez déclaré, la variable là. Donc, c'est en dedans et fonction, ou doit faire ça, OK? Donc c'est ça, donc faire exercice, prendre habitude pour nous utiliser des fonctions à arguments, donc en fonction de ça nous besoin faire. Donc c'est que là vraiment intéressant pour nous faire des programmes qui ont bien des fonctions qui bien ordonnées, qui ont arguments qui est très intéressant. Donc comme ça on est capable et bien réaliser de belles choses. Donc c'est ça, donc nous parlons dans la vidéo qui vient après à d'autres mécanismes qui gagnent dans créer propre fonction panneau.